10 citations Thème Pensée 1 Il faut que la pensée voyage et contemple, si l'on veut que le corps soit bien. Alain. Cette citation d'Alain signifie que pour être en bonne santé et équilibré, il est important d'exercer non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il souligne l'importance de nourrir son esprit en voyageant à travers la pensée, en réfléchissant et en contemplant. Selon lui, une bonne santé physique est liée à une santé mentale et spirituelle. Cela met en avant l'idée que le bien-être global de l'individu dépend de l'harmonie entre le corps et l'esprit. 2. Apprendre à ne plus penser, c'est une partie et non la moindre, de l'art de penser. Alain Cette citation d'Alain signifie que pour bien penser, il est important de savoir contrôler ses pensées et de ne pas se laisser submerger par elles. Savoir faire le tri dans nos pensées, savoir les maîtriser et les diriger est une compétence essentielle dans l'art de la réflexion et de la pensée. En d'autres termes, apprendre à faire le vide dans son esprit, à ne pas être envahi par un flot incessant de pensées, fait partie intégrante du processus de pensée et de réflexion. Cela permet de mieux se concentrer, d'analyser de manière plus claire et de prendre du recul pour réfléchir de façon plus profonde. 3. Ce que nous appelons mouvement du cœur n'est que le bousculement irraisonnable de nos pensées. André-Gide Cette citation d'André-Gide, ce que nous appelons mouvement du cœur n'est que le bousculement irraisonnable de nos pensées, met en lumière le fait que ce que nous ressentons au niveau émotionnel, ce que nous attribuons souvent à notre cœur, est en réalité le résultat de nos pensées et réflexions. Gide suggère que nos émotions ne sont pas contrôlées par un organe physique, mais sont plutôt le produit de nos pensées et de notre raisonnement parfois de manière chaotique et irrationnelle. En d'autres termes, nos émotions ne sont pas simplement des réactions spontanées, mais sont étroitement liées à nos pensées et à notre façon de percevoir le monde qui nous entoure. 4. Le premier penseur fut sans nul doute le premier maniaque du pourquoi. Émile Sioran. Cette citation d'Émile Cioran, le premier penseur fut sans nul doute le premier maniaque du pourquoi, peut être interprétée de la manière suivante. Cioran suggère ici que le premier individu à avoir réfléchi et à s'être posé des questions sur le monde et sur la vie était probablement quelqu'un obsédé par le besoin de comprendre le pourquoi des choses. En d'autres termes, le premier penseur était très probablement quelqu'un qui était profondément préoccupé par la quête de sens et de compréhension. Cette citation met en lumière l'importance de la curiosité et du questionnement dans le processus de réflexion et de développement de la pensée humaine. 5. Les secondes pensées sont les plus sages. Euripide. Cette citation de Ripide signifie que prendre le temps de réfléchir davantage à une décision ou à une action peut conduire à des choix plus judicieux. En d'autres termes, il est souvent préférable de ne pas se précipiter et de prendre le temps de réfléchir attentivement avant d'agir. Les secondes pensées font référence à cette réflexion supplémentaire qui peut nous amener à prendre des décisions plus sages et plus réfléchies. 6. La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. C'est donc tout l'usage du cerveau qui est mis en question. Gaston Bachelard Cette citation de Gaston Bachelard met en lumière l'importance de la réflexion approfondie et de la remise en question de nos premières impressions ou idées. En science, il est essentiel de ne pas se contenter de jugements hâtifs ou de conclusions trop rapides. Bachelard souligne que la pensée scientifique moderne exige une certaine résistance à la facilité et à la superficialité. Il invite à mobiliser pleinement nos capacités intellectuelles en remettant en question nos préjugés, nos idées préconçues et nos schémas de pensée habituels. Ainsi, pour Bachelard, l'exercice de la pensée scientifique implique un effort constant de remise en question, de critique et de recherche de vérité en utilisant pleinement notre cerveau pour explorer de nouvelles perspectives et approfondir notre compréhension du monde qui nous entoure. 7. Penser contre a toujours été la façon la moins difficile de penser. Jacques de Bourbon-Busset Cette citation de Jacques de Bourbon-Busset signifie que remettre en question Critiquer ou penser à l'encontre des idées prédominantes ou des opinions populaires n'est pas une tâche facile, mais c'est souvent la manière la plus profonde et la plus enrichissante de penser. En d'autres termes, il suggère que la pensée critique et la remise en question des idées établies demandent plus d'efforts et de courage, mais elles peuvent mener à une compréhension plus approfondie et à des idées plus originales. 8. Il est des pensées qui, comme certaines fleurs, doivent se respirer lentement, en osant prendre le temps de ralentir le temps. Jacques Salomé Cette citation de Jacques Salomé invite à prendre le temps de réfléchir profondément et lentement sur certaines pensées, tout comme on apprécie lentement le parfum d'une fleur. Il suggère de ralentir notre rythme de vie effréné pour vraiment comprendre et intégrer ces pensées importantes. En prenant le temps de réfléchir calmement, nous pouvons mieux apprécier la richesse et la profondeur des idées qui nous entourent. 9. La ponctuation, ce n'est pas de l'orthographe, c'est de la pensée. Alexandre Vialat Cette citation d'Alexandre Vialat, la ponctuation, ce n'est pas de l'orthographe. C'est de la pensée, mais en avant l'importance de la ponctuation dans l'écriture. En effet, la ponctuation ne se limite pas à des règles grammaticales, mais elle contribue également à la clarté et à la compréhension du message véhiculé. En utilisant la ponctuation de manière appropriée, on peut structurer nos idées, marquer les pauses, indiquer les nuances et donner du sens à nos propos. Ainsi, la ponctuation devient un outil essentiel pour exprimer nos pensées de façon précise et cohérente. Elle permet de donner du rythme à la lecture, d'insister sur certains éléments et de guider le lecteur à travers notre texte. En résumé, cette citation souligne que la ponctuation va au-delà de simples règles orthographiques, elle reflète notre manière de penser et d'organiser nos idées dans un texte. 10. Nul ne pense par lui-même sans un détour par les autres, et notamment par ce qui a été pensé avant lui. Alain Finkelkroth Cette citation d'Alain Finkelkroth signifie que personne ne peut penser de manière totalement indépendante, sans être influencé par les idées et les pensées des autres, en particulier celles qui ont été pensées avant lui. En d'autres termes, nos propres pensées et réflexions sont souvent le résultat d'un processus de dialogue et d'interaction avec les idées et les pensées des autres qui nous ont précédés. Nous sommes tous influencés par le passé et par les contributions intellectuelles des autres dans notre manière de penser et de comprendre le monde qui nous entoure. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.